3, 2, 1, c'est petite installation de hamac. C'est l'heure de la sieste pour les Wheezy. Avoir une bonne session de cliff. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du Gainer Tour. Aujourd'hui, on est à Cosse de la Selve. Et il y a des mecs qui sont en train d'envoyer du lourd sur le spot. Mais nous, c'est chaos technique. C'est le petit repos. On a envie aussi de prendre le temps. Prendre le temps de se reposer, prendre le temps de réaliser qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et tout simplement apprécier les petits temps comme ça. Un peu sur le réseau, on a l'impression qu'il faut faire mille choses à la minute pour être heureux. Alors que moi, je pense que c'est un peu tout le contraire. Il faut vivre plein de choses, mais prendre le temps de vraiment bien les apprécier. Et passer par des petits temps comme ça de repos, c'est la meilleure façon de le faire. On réalise tout doucement les dingueries qui viennent de se passer. Puis on ira sur le prochain spot. Ensuite, c'est le pont d'Isansac. Ça va faire kiffer, il y aura une petite session au sunset. Puis c'est important de se poser aussi pour ne pas partir en session trop crevé. Parce que si on est fatigué, bah, ça engendre beaucoup plus de chances de se blesser. Et pour nous, se blesser, c'est vraiment le pire truc. Et je voulais aussi vous rappeler qu'on vend des posters et des vêtements sur notre site. En plus, en ce moment, il y a quelques promos sur les anciennes collections. Donc c'est le meilleur moment pour faire une petite commande sur le site Wheezy. Bon, c'est la fin de la journée. Et là, il y a une petite session qui est en train de se préparer au pont de Saint-Étienne-d'Isansac. C'est le sunset. Il y a une super ambiance. Et ça commence à se jeter. L'eau est vraiment noire. Mais ça va se jeter jusqu'à la tombée de la nuit, je pense. Ok, c'est 4, 3, 2, 1, il m'énerve, vraiment, au bout d'un moment il m'énerve. Il est beaucoup trop fort. Aussi il a sauté avec sa GoPro et la GoPro elle s'est enlevée du flotteur. Du coup la GoPro elle est au fond de l'eau. Il y a Robin qui peut plonger pour récupérer une GoPro. Mais c'est chaud. Tiens, tu me lances après. Oh là 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 là. Il y a Robin qui est parti depuis au moins genre 45 secondes là. Il est sous l'eau, il est en train de chercher la GoPro. Ah, wow. Il arrive. Il a... Non. La dog, let's go. What a boss. Oh my god. You're a hero. L'idée ce serait de faire Chaperonge et Kong Gainer. Et c'est haut quand même. Après derrière, il y a 14 mètres. Ouais, vas-y je fais juste un chat. Vas-y juste un chat, voir un peu. Il y a Romain qui a une petite idée ici. La petite particularité de ce pont là, c'est qu'en fait il y a des petites avancées comme ça en triangle et du coup ça crée une course d'élan. Et Romain il voudrait faire dans l'idée course d'élan, chat plongé. Kong Gainer. Mais c'est engagé. Il est en train de prêter doucement là, gentiment les trucs.
Et s'il le sent, ça peut être... Et en fait, le truc, comment, là bah, en vrai, juste chat, très bien. Mais c'est juste là. Genre, il faut que j'envoie, mais tout doucement. Ouais. Et du coup, genre, j'ai trop peur de pas taper assez fort. Et du coup, ma tête, elle tape, en fait. Ok. Ça se fait bader. Mais du coup, en fait, si je fais le chat plonge, ouais, je suis sûr que ma tête, elle va passer. Ok. Mais si je fais juste cager, je suis pas sûr. Ok. Du coup, c'est ça, le truc. Ok. Je sais pas encore trop. En gros, s'il fait ce qui est prédit, là, c'est la plus grosse dinguerie qui a été faite sur ce pont. Et j'étais souvent ici, moi. J'en ai vu des dingueries ici. Non, mais, je vous jure, il a raison, hein. Là, c'est sûr. Non, mais ce serait n'importe quoi. Chat plonge contre Guinard. Ah ouais, je te crois pas. Ça ouais, c'est impossible. Mais gros, gros, vraiment, vraiment. Ouais, vu d'ici, gros, moi je suis pas un gars du parcours. Vraiment, c'est impossible. Enfin, je... Tu fais ça, t'es le boss du pont, gros. Gros, ouais, faudra, faudra braver ton arrête, nom aussi là. Tu la carotte. Romain Wizidong. Ouais, on a mais c'est raison. Impossible. Mais gros, pas, tu peux pas qu'on gagner là. Arrête. Si. Mais tu sais que le seul truc qui me fait peur, c'est de pas aller assez loin et que ma tête elle tape dans le mur. Mais il va tourner, hein. Et oui, je suis sûr de tourner. Il a même peut-être trop tourné. Et je vais peut-être trop tourner, je vais peut-être faire double, tu vois. Donc double gainer, double gainer. Tu veux passer direct au sud ? Non, chat plonge contre gainer. Ah, dingue, ok. Ok, ok, ok. Faut que je pousse fort quand même dans le chat plonge. Ouais. Oui, faut que tu passes large. Il veut faire Kong après ? Il veut partir en gainer ? Ouais. Oh là. C'est quoi la prochaine prep ? Je crois qu'il n'y a pas d'autre prochaine prep, mec. C'est la prochaine prep, c'est le send là ? Ouais, je pense que la prochaine prep, c'est le send. Il n'y a eu qu'une prep, les gars. Bah, en soi, il y a eu deux prep. Il y a eu gainer et après, il y a eu chat. Ouais, ouais. Et en soi, bah, juste à faire les deux ensemble. Hein. Mais c'est une saison. Tu peux splash ? Ouais. Allez, Romain. Allez, Romain. Allez, gars. Il y a tes bras du béton. Barani. 3, 2, 1, c'est vraiment tellement bien fait. Et en plus t'as genre Alex là, follow cam, il était à 50 cm. Il était large là. Oh, c'est une pure dinguerie là. Vraiment une pure dinguerie ce qui vient de se passer. Oh, t'as tellement géré. Oh gros, ah, c'était incroyable. Genre quand je suis parti, je me fais ok, bah là en fait j'ai juste à tirer un peu la tête. Je me suis dit oh, je suis un peu juste, du coup j'ai groupé. Mec, oh là là. En vrai, c'est trop trop bien à faire, hein. J'ai trop kiffé. Ouais, c'était incroyable. Hey, je pense que vous êtes pas prêts pour le shot. Ouais, de ouf. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts. Incroyable. Ah, j'ai kiffé. Respect, tu m'as régalé, gros. Incroyable. T'as vu, ça allait aussi bien passer. C'est dans Chills, mec. C'est le pont de Romain. Ah, gros. Romain dit son sac. Oh, mais j'avoue, gros, c'est une dingue. Oh, le BPM que je me suis. Oh, incroyable. Oh, non. Ça fait kiffer en vrai.
Oh, c'était intense. Genre, quand j'ai dit 3, j'ai senti tout le monde qui a commencé à 100 et je me suis dit, j'ai plus le choix. Oh, mais c'était incroyable. J'ai tellement kiffé là. Genre, que les gens ils fassent le décompte et tout, c'est incroyable. C'est une séance perso là. Qu'est-ce qu'il y a, mon C là? Je me suis fait mal sur mon Varani du 23, quoi. Il faut un bisou magique de Mathieu Brunet. Non, sur, la... sur le yep. Je crois, sur son yep. Sur l'ongle du gros orteil. Oh non, en plus il y a des gros doigts. Quelle blessure. Du officiel du Gainer Tour, du médecin officiel du Gainer Tour. Qu'est-ce que c'est ça? Entorse. Entorse. Alors tu choisis. Moi je te setup la grue. De Romain ou Mathieu sur son gros orteil. Ou alors. Eh, faut lécher. Eh, Romain il a des lèvres tellement douces, gros. Incroyable. À tout le monde, non, mais, alors, j'ai demandé le jargon du Wheezy parce que quand il parle, je comprends pas. Je comprends pas. Donc j'ai demandé le lexique. Alors je vais juste sur les trois premières. Il m'a mis les yeux dans les paillettes. À quel âge on a 7 ans? Et je t'ai mis une nippée. Ça prépare quoi, le CEP? Ah là, on va faire une petite lignée d'humains qui vont se jeter à la mort dans cette eau noirâtre là. Et ça va être plutôt appréciable, je pense, pour tout le monde. Un grand lancer de viande là. Mais moi je voulais pas faire partie de ça à la base. C'est une bonne idée. Non, c'est carrément pas une bonne idée. Là, sur les 16, je sais pas combien ils sont, il y en a 5 qui vont mourir. Vas-y, envoie la sauce, mon gars. On casse ! 16. Et Alex, ça va? Bah il nage bien mais il a l'air un peu patraque. Ouais. Non, l'inverse. Là, on retourne au petit spot de dodo. On va manger et après apparemment, c'est pompé up. Petite soirée. Moi je vais être là, je vais être and a nice gonna be. Full rempli. Avec. Non, quand même, là, il n'y a pas longtemps avant d'arriver au spot de dodo. Oui, il y a 10 minutes. Oui, ça 10 minutes. Il y a moyen, je m'endors. Bon, ça part au petit spot de dodo. On va rejoindre tout le monde là et on va dormir avec tout le monde. Ça va être bien stylé. Mais avant, il y a une petite route sympa. Je pense qu'on va faire des petits plans de drone avec les gars sur le toit. Il y a déjà Romain qui est sur le toit. Bon, là, c'est une fin de journée. C'était incroyable. Il y a eu tellement de scènes. Les gens qui sont là, ils sont tellement forts. C'est abusé. Là, on va au spot de dodo, parce que on est tous bien flingués, là. Yee-hoo! Get a ride! Oh, c'est une fin de session. C'était incroyable. Je te propose poivron cuisiné au piment d'Espelette. La Costa Brava. Oh,
C'est terrifiant. C'est de la bonne peur, pas de la peur qui tétanise. Ok, 5, 4, 3.